Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, mes amis cancers, c'est à vous. Allez, on va aller voir ce qu'on vous réserve les cancers pour le mois de mai 2021. Qu'est-ce qu'on vous réserve au niveau sentimental? D'accord, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances. Bienvenue au nouveau et merci beaucoup de votre soutien à tous, hein, aux plus anciens et aux nouveaux. Allez, c'est parti, les cancers sentimentalement. Merci de me donner un message pour le mois de mai 2021, s'il vous plaît. Alors, on vous parle d'un homme brun ou d'une femme brune. Oh, j'en ai trop. Merci de me donner un message pour le mois de cancer. On nous parle de libre arbitre. J'en ai beaucoup, mais bon, elles sautent, alors je vais les prendre, écoutez. Allez, et on vous dit que vous recevez des signes. Bon, les cancers, alors je vous montre les cartes. On vous parle d'un homme brun ou d'une femme brune. On vous parle de libre arbitre, de rencontre par des moyens de télécommunication, de dépendance affective et de différence d'âge. Ok, donc pour moi, il y a des cancers qui vont rencontrer une femme ou un homme. Soit brun, soit brune, peu importe, ça peut être blond, hein. Prenez comme ça vous parle, et vous avez votre libre arbitre dans cette situation, puisque vous êtes en dépendance affective d'une autre personne, d'accord, avec qui il peut y avoir soit une différence d'âge, soit une différence de culture, soit une différence tout court, hein. Vous ressemblez pas sur certaines choses et vous avez du mal à vous entendre. On peut vous dire aussi, les cancers, que vous en recevez des signes, vous recevez des signes que ce n'est pas la personne avec qui vous devez être, cette personne avec qui vous êtes. On vous dit aussi que vous recevez des signes par des moyens de télécommunication, d'accord ? On vous dit que vous avez votre libre arbitre pour ceux qui n'ont personne dans leur vie, vous êtes en train de rencontrer quelqu'un, vous avez votre libre arbitre. Mais attention, les cancers, à la dépendance affective, d'accord ? Il peut y avoir une différence d'âge ou une différence entre vous, quelque chose qui vous diffère avec cette personne, mais attention de ne pas tomber dans une dépendance de cette personne, d'accord ? De ne pas refaire certaines choses que vous avez pu commettre avant comme erreur. On vous dit que vous recevez des signes et on vous parle de déménagement et de changement de ville, d'accord ? Ok ? Donc, pour certains, je ressens que vous connaissez une personne depuis un moment via les sites, les réseaux, les sites de rencontres, et vous êtes en train de déménager, de changer de ville, peut-être vous rapprocher de cette personne, hein, parce que c'est vraiment une âme sœur spirituelle. Vous recevez des signes que c'est très fort entre vous et vous êtes dépendant à cette personne, vous avez du mal à partir loin de cette personne, donc vous avez votre libre arbitre peut-être d'emménager avec cette personne. Vous avez peut-être un peu de trouille par rapport à la différence d'âge ou à la différence de culture ou la différence entre vous. Une différence, il y a quelque chose qui vous diffère de cette personne et vous avez peut-être un peu la trouille. Donc vous êtes oppressant ou oppressante avec cette personne. Attention à ça quand même, les cancers. Les cancers, merci de me donner plus de détails par rapport à ce message, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2021. Alors, on vous dit que c'est bien une nouvelle rencontre que vous avez fait 3 mois en arrière, 3 semaines ou 3 jours, où vous allez les faire. Vous allez faire cette rencontre dans les 3 semaines, 3 jours, 3 mois. D'accord ? C'est bien une nouvelle rencontre. Vous allez voir cette personne. On vous dit que vous êtes actuellement peut-être dans une relation stable et qui dure depuis un moment, malgré tout. C'est ce que je voyais. Vous avez votre libre arbitre de rester dans une relation où vous êtes dépendant d'une personne ou plutôt de partir avec quelqu'un qui vous plairait le plus. Peut-être aussi que vous avez envie d'une relation stable, hein, et durable aussi avec cette personne. Avec cette personne que vous avez rencontrée via les réseaux. Vous avez peut-être envie de quelque chose de stable et de durable, hein. C'est pour ça aussi que vous êtes trop dépendant de cette personne. Vous avez peur que cette personne ne soit pas du même avis que vous, hein. Vous recevez des signes de cette personne. On a trop. Alors, on continue les cancers, on va devenir
Ça peut être une personne que vous connaissez depuis un moment. Vous avez peut-être aussi envie de fonder une famille avec cette personne-là. D'accord. Peut-être que vous êtes déjà dans une relation de famille et vous êtes prêt, vous ouvrez les portes à une nouvelle rencontre, mais attention au schéma, répétition des schémas ou aux relations karmiques, d'accord. Que ce soit pas une répétition ou que le passé revienne tout droit dans votre figure. Vous vous dites prendre du recul par rapport à la situation, vous allez réfléchir, vous allez méditer les cancers. Et on vous dit que vous allez devoir faire un choix. Et oui, parce que là, pour l'instant, vous êtes dans quelque chose de toxique, d'accord? Il y a un lien très toxique en ce moment pour vous. Vous avez beaucoup de difficultés, de blessures, et vous êtes très déstabilisé dans une relation. On vous dit que vous allez prendre un nouveau départ sur le printemps avec une âme sœur, d'accord? Peut-être une meilleure amie, une femme avec qui vous vous confiez, et qui vous dit non. Qui vous dit non à quoi? Ah, d'accord, pour l'instant, c'est bloqué, parce que c'est comme une amie, d'accord? Ouais, il y a des choses que vous avez du mal à dire à cette personne et on voit une autre femme. Bon, et vous êtes engagé, et certains cancers qui sont engagés. Moi, clairement, là, vous n'êtes pas bien dans votre relation et vous faites le choix de vous ouvrir à une nouvelle rencontre. On vous dit oui, ça va marcher. Attention aux relations karmiques, attention au passé, comme je vous dis. Que ce ne soit pas des répétitions de schémas à chaque fois, d'accord? Peut-être que cette personne que vous allez avec qui vous parlez, peut-être qu'elle a déjà une famille aussi. Bon, le deuil, hein, ouais. Vous avez fait le deuil d'une relation, vous êtes en plein deuil d'une relation actuelle, hein, avec une femme ou un homme avec qui vous êtes actuellement. Ouais, mesdames, vous êtes en train de faire le deuil de quelqu'un, d'accord? Vous avez fait votre deuil dans une relation, vous êtes prête au renouveau. Et oui, on a le papillon, on a une transformation pour vous, mesdames, cancer. Il y a une transformation après un deuil d'une relation. Une transformation, il y a des invitations pour vous. Si vous êtes un homme, vous transposez, si le message vous parle. Il y a la fin des fardeaux, la fin d'une relation. D'accord, c'est l'imprévu, c'est vous vous attendiez pas à ça, peut-être vous allez avoir une surprise, peut-être qu'il y a une invitation, une transformation suite à quelqu'un qui vient vers vous. C'est une surprise. Peut-être que cette personne vous offre aussi un cadeau et vous sortez du brouillard. Il y a une ouverture au niveau de la stabilité, une ouverture au niveau du foyer, un foyer qui était en crise, quelqu'un qui s'enfermait, d'accord, vous prenez conscience. Il y a un nouveau départ. Vous vous ennuyez, les cancers, dans votre relation de couple, et il y a un nouveau départ. Il y a la gestation sur les réseaux sociaux, donc moyen de télécommunication, rencontre ou réseau. Hein. Là, vous allez aller clairement vers cette personne des réseaux, d'accord? Vous allez vous détourner de votre famille, votre vie, parce que ça ne vous plaît plus. Ce n'est plus en accord avec vous-même, messieurs et mesdames cancers, si ça vous parle, d'accord? Vous voulez une transformation, vous voulez quelque chose qui bouge, qui change. Hein. Et oui, on parle de vous là. On vous dit que vous attirez, hein, la loi de l'attraction, vous attirez à vous tout ce que vous voulez. Hein. On vous parle de l'hérédité, donc de vos enfants ou de votre famille. De votre famille qui va vous soutenir aussi. Il y a une réussite pour vous, vous allez examiner la relation telle qu'elle est dans votre vie en ce moment, dans votre famille. Il y a un homme qui revient vers vous, il y a le retour d'un homme. Peut-être qu'il y a le retour d'un homme du passé aussi, que vous connaissez déjà et qui est prêt aujourd'hui. Je peux vous dire qu'aussi, il y a un compromis qui se fera dans le temps avec un homme sur un retour. Ok ? Alors pour moi, vous attirez le passé à vous, peut-être que vous attirez aussi la stabilité, vous attirez quelqu'un de votre famille vers vous. On vous dit que c'est une réussite, vous avez fait le bilan, vous avez fait le point, c'est une réussite pour vous, il y a le retour d'une personne, il y a le retour dans le temps à un compromis aussi, à une négociation. On vous dit que vous allez être en joie, que c'est une relation enrichissante, vous allez peut-être culpabiliser un petit peu, mais pas de mal, il y a un nouveau départ, avec beaucoup d'intimité, de charnel, d'accord ? Même si c'est une trahison. Il y a vraiment... de l'intimité, il y a des femmes cancers qui vont être enceintes aussi, d'accord. En tout cas, c'est plutôt positif les cancers, je suis désolée, j'ai été trop rapide, alors si vous m'avez suivi, tant mieux.
Voilà, donc en fait, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Il ne parlera pas à tout le monde, mais prenez que ce qui vous parle. Hein. S'il y a la moitié qui vous parle, vous prenez. Je vous fais des bisous, les cancers. Je vous souhaite quand même un beau mois de mai. Soyez attentifs aux signes de l'univers. Hein. Soyez bien attentifs aux signes de l'univers. Je vous fais des bisous, les cancers, et je vous dis à bientôt.